Le monde des bannis. Ils repartent de zéro avec seulement quelques fournitures de leur ancienne patrie. Il me faut confiance pour leur construire une cité décente, les faire se développer, tout en leur offrant un toit et de la nourriture. Ils ont mis leur vie entre mes mains. Bienvenue dans Banist. Bonjour à tous, ici c'est Nikosov et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo, ma foi, un peu spéciale vu que c'est une vidéo découverte, la première sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on se retrouve pour un nouveau jeu. Il est édité et développé par Shining Rock Software. Il est du type stratégie, gestion et un peu de simulation. Sorti le 18 février 2014, c'est un jeu indépendant. Je parle évidemment de Banist. Le nouveau jeu qui fait fureur en ce moment et qui fait parler de lui, hein, sur le monde, sur la toile. Et c'est un jeu, ma foi, fort intéressant, je dois l'avouer. La note de jeuxvideo.com, par exemple, la rédaction lui met 15 sur 20 pour une note de 16 sur 20 pour les utilisateurs. Une deuxième note de jeuxvideo.fr qui note ce jeu à 6 sur 10. La rédaction qui a été un peu méchant, je trouve, pour ce jeu. Mais bon, la note des utilisateurs remonte un peu puisque il leur met un magnifique 8,7 sur 10 qui le mérite. Voilà. Donc, j'ai tout dit sur ce Banist. Non, raté, encore une fois. Hein. C'est le premier, hein. Veuillez m'en excuser, j'ai oublié de dire quelque chose. Son prix, oui. Sur le prix, sur le site du développeur, c'est un prix de 19$, alors soit environ 15€. En tout cas, sinon sur htclcd il a 15€ aussi, et disponible sur Steam aussi, je pense, à 15€. Enfin voilà, le prix de 15€. Donc les amis, je vous propose qu'on va faire ensemble une dizaine de minutes pour découvrir ensemble. Donc déjà, on arrive sur cette interface, hein, qui est jolie. Donc derrière, vous voyez ma partie, hein, la partie que j'ai commencé, parce qu'il faut bien que j'apprenne un peu à jouer, ou sinon j'aurai l'air ridicule. Voilà. Alors, dans un premier temps, il y a News avec le nom de la ville, tout ça. On va voir ça après avec le site de la map. Donc par exemple, si je vous donne cette site, et ben vous aurez la même map que la mienne. Il y aura aussi le type de terrain, la taille du terrain, donc petit, médium ou large. A savoir que le jeu est en anglais, hein. On a le choix aussi entre soit de la vallée ou soit de la montagne, hein. Donc en vallée pour commencer. On peut choisir le climat, je sais pas trop. En tout cas, j'ai mis sur fer. Disaster aussi. Alors One Wolf, Disaster, je sais pas. Je crois que c'est pour les intempéries. Starting condition, medium, hard ou easy. Alors easy en sachant que c'est facile, moyen et hard, donc difficile. Et puis voilà, nous on va faire cancel pour voir d'autres choses. Donc le système de load, hein, pour charger une partie. Donc moi j'en ai deux, c'est la même. Voilà. Il y a un système de tutoriel que je ne vais pas faire. Je vous laisse regarder tout ça. Ensuite il y a un système d'achievement, d'atteindre une population de 300, une population de 300, 600, 900, etc. Éducation, patati coufin. Moi j'en ai zéro de complète, évidemment, je viens juste de commencer le jeu. Ensuite on est dans le menu des options. Alors il y a le click mouse to Windows, tout ça. Là on peut changer la température, en fait le mettre soit le Celsius soit le Fahrenheit. Voilà, donc là ça va être les effets de la météo, donc la pluie ou pas. Voilà. Ensuite il y aura la pause qui n'est pas focusée, donc en fait qui n'est pas bloquée, je pense, hein. Je suis pas très bon en anglais, j'ai pas eu le temps de regarder toutes les options, tout ça. Ensuite il y a l'autosave qui est très important parce que quand il arrive des gros soucis, des pépins naturels, ou même quand on fait une erreur, on peut revenir en arrière. Donc un autosave on peut choisir, moi j'ai mis toutes les 1 minute, donc il y a 5, 10, 15, 20, 30, tout ça, 45, donc 45 minutes, 1 heure ou désactiver carrément. Alors après il y a le statut icon opacity, donc si on change par exemple, hop, on met à 5. Quand le statut, je sais plus qu'est-ce que c'est. Je vais laisser à 25. L'interface, donc par exemple, si on baisse, voilà, c'est plus gros, c'est badass. On n'y voit rien sur l'écran, donc moi je vais laisser à 140. Voilà. Je crois bien que c'était à 142.
Voilà, parfait. Ok. Donc, et pour exister, pour quitter le jeu aussi. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite par une nouvelle map. Donc, le nom, comment on va l'appeler comment on va l'appeler? On va l'appeler... Découverte. Voilà. Le site de la map, je sais pas. Hein. Donc là, c'est pour générer aléatoirement. Hop, 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 hop. Ça va être là, tout ça. starting commission medium, disaster one, fair, ok. Donc je vous propose qu'on part tout de suite. C'est parti, ça charge. Alors les amis, quand même, c'est un jeu indépendant. Donc il est très bien fait, je trouve. Hein, on va le voir dans ces premières minutes de jeu ensemble. Que c'est quand même un jeu qui est complet. Malgré que peut-être des fois, ça ne va pas dans la durée du temps. Donc on arrive tout de suite ici. Je vais non pas descendre le son vu que je pourrais le régler plus tard. Mais nous voilà dans l'interface du jeu. Donc on va tout de suite mettre pause. Je vais vous montrer. Donc on arrive ici sans rien. Il suffit d'aller dans tout l'end report. On a ça en premier ou qui nous indique toutes les donc le nom de notre ville, les problèmes. Donc par exemple ici ça montre qu'il y a 20 personnes qui sont sans maison. La saison, l'année, le nombre de personnes, donc ça va être les adultes, les étudiants et les enfants. A savoir qu'au début, les étudiants, il n'y en a pas puisqu'il faut une école et nous, au début, il n'y en a pas et pendant un long moment. Ensuite, il y a la météo, ensuite ça nous dit s'il fait soleil, s'il pleut, s'il neige, etc. La température, il fait 0 degré. Ensuite, évidemment, eh ben, il y a le bois, il y a le firewood, donc les consommables. Pour se chauffer, la nourriture très important dans ce jeu, les cailloux, le charcoal, donc c'est enfin le coal, c'est le charbon, les médecins, tout ça, les médecins, les produits pour se soigner. Ensuite, il y a l'or, le fer, excusez-moi. Ensuite, il y aura les affaires. Ça, j'ai pas encore étudié, mais je pense que ça, c'est par exemple les vêtements. Donc store acheté, donc les vêtements qu'on peut vendre, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas envie de dire beaucoup de choses. Le nombre d'alcool, alors ça je sais. Hein. Voilà, donc en fait non, c'est les stocks de tools, donc d'outils. Ah oui, c'est ça, c'est les outils. Ça, c'est les vêtements qu'on a. Donc par exemple là, on voit qu'on a 30 outils, 10 vêtements et on a 0 alcool puisqu'il faut, à mon avis, il faut, tac 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 tac, comment on appelle ça, une taverne. Ensuite, on arrive, on a un deuxième petit truc, c'est l'event log, où ça va nous indiquer tout ce qui se passe dans notre ville, très important, hein, je vous le conseille de le mettre. On peut avoir la map, ouais, dans notre cas, c'est pas bien utile, hein, mais vous pouvez la mettre. Ça, très important, c'est la fenêtre des professions, donc en fait, ça va nous dire tout ce que... Toute la profession, toutes les professions, il y en a 20 différentes, donc en passant par les professions libres, les builders, donc les constructeurs, les farmers, tout ça, les gatherers, les cueilleurs, les fishermen, donc les pêcheurs, les chasseurs, les woodcutters, donc coupeurs de bois, donc les forestiers, tout ça, donc eux, ça va, ils vont... s'occuper en fait de couper les arbres matures et de replanter des nouvelles pousses, les herbalistes pour soigner la population parce qu'on a de la vie, je l'ai pas présenté aussi, donc ça c'est la vie de la population et ça va être la note qui nous donne, donc en fait un peu l'humeur des citoyens, en fait s'ils nous aiment ou pas, s'ils trouvent que notre travail est plutôt bien ou pas. Pour venir plus en détail, là ici il y aura les informations, donc c'est la notification des morts par vieillesse, donc une mort normale, qui est désactivée, donc vous l'activez ou la désactivez, vous faites comme vous voulez. Ensuite, ça va être les différentes morts qu'il y a, donc c'est activé. Donc ça va être pour les feux, ça va être quand il y a pas assez de ressources, quand il y a les ressources ont atteint leur niveau max, donc il faut leur fournir plus de place. Voilà. Les events de ville et fermer le truc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, ça va être pour placer les... Ça, j'ai... Pour faire quoi, ça?
bon, je sais pas. Ça, Increase Priority, c'est pour donner une priorité. Donc, par exemple, quand on construit quelque chose, on va y avoir tout de suite dans quelques instants. Mais ça va être, on va augmenter la priorité pour qu'il construise, voilà, en priorité, en premier. Ensuite, ça, paf, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas pu tout aborder aussi, hein. Ça, je sais pas trop. Click to save. Oh, j'ai pas envie de faire de bêtises. Ici, c'est pour les aider, tout ça. Donc, le gameplay, tout ça. Et blablabla. Ensuite, on a un troisième menu déjà. Ça va être pour construire des maisons. Donc, voilà. Donc, on va construire ça dans pas longtemps. Donc, on commence par des maisons en bois, des maisons en pierre. Et pour finir, des buildings. Enfin, des petits buildings. Voilà, quoi. Ensuite, là, ça va être pour les différentes routes. Donc, les routes de terre, les routes de cailloux. Un pont en bois et un tunnel. Ensuite, ici, ça va être pour construire... comment que ça s'appelle? Comment qu'on appelle ça? Un entrepôt, en quelque sorte. Ensuite, le stock pile, ça va être pour pouvoir mettre différentes stocks. Donc, c'est ce qu'il y a là. C'est ça, là. Voilà. Il y aura, on pourra aussi construire un marché, hein. Et un trading post, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça va être pour pouvoir faire des achats avec... acheter des choses, quoi, à l'extérieur. Ensuite, on pourra construire, je sais pas ce que c'est ça, une école, un hôpital, une truc de justice, une chapelle et un cimetière. Ensuite, on arrive dans un énième onglet, donc ça va être pour la production de nourriture. Donc, pour faire un champ, ce qu'on va faire en premier, des fruits, du pâturage, du poisson, ce qu'on va faire aussi, je pense, du chevreuil, enfin non, du chevreuil, de la chasse, excusez-moi, et aussi de la cueillette, donc des gatherer hut, excusez-moi de mon accent archi nul. Ensuite, ça c'est pour donner, ça c'est woodcutter, c'est pour faire chauffer les maisons pour l'hiver. Ça va être pour gérer tout ce qui est arbre, donc planter, replanter. Donc ça va être le métier de forester qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est être herbaliste, donc c'est pour soigner les gens. Blacksmith pour créer de nouveaux objets, des tailors pour construire, faire des habits, tout ça, pour qu'on ait moins froid l'hiver. Une taverne pour boire un coup. une mine qu'il faut placer contre une montagne. Et pour finir, la carrière. Ensuite, là, c'est pour donner ordre aux gens de faire quelque chose, donc détruire, hein, des structures, détruire des ressources, couper du bois, collecter du caillou, de collecter de l'iron. Donc ça, je pense que c'est l'iron là. Par exemple, vous voyez, ça c'est de l'iron. Voilà, ça c'est de l'iron. Donc c'est pour collecter de l'iron pour faire des nouveaux outils. Et ensuite, ça c'est pour détruire des routes. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour se faire un petit champ. Donc un petit champ rapidement. Hop. Donc on va faire ça. Donc le champ, donc food. Hop. On va faire ça devant, hein, comme des gros sacs. Voilà. On va faire ça comme ça. Une petite route, comme je fais à toutes mes débuts de partie. Donc des routes qui sont nécessaires, hein, évidemment, pour le bien-être. Hop, je ne suis pas un pro, j'ai commencé juste hier soir. On va aussi mettre en route la construction de maisons, donc on a la possibilité de les tourner. Voilà, on va en mettre deux. On va faire couper du bois. Donc on va faire couper du bois où, en sachant qu'il faut qu'on garde une forêt dense pour la cueillette. Donc on va faire couper là, hein. Ici on en a rien à péter. Donc voilà, hors de découper tout ça. Donc on va dire
On va mettre deux constructeurs, deux farmers, deux woodcutters pour couper. Et puis voilà. Je pense que ça va. Donc allez, on commence bien. C'est parti, on va mettre play. En sachant que là, on peut mettre rapide, rapide, encore rapide. Donc ça peut aller jusqu'à x10. Donc nous, on va rester en x2. Et puis on va rester 10 minutes comme ça. Alors oui, effectivement, ça c'est un petit bug qu'on a, voilà. Donc on choisit, donc on va faire du blé. C'est la première fois que je peux faire du blé, enfin. C'est pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Oula, ça fait déjà 15 minutes que je tourne, hein. On vient juste à peine de commencer notre petite partie. Excusez-moi, je me mouche un petit coup, je me mute. On se retrouve, mesdames et messieurs, et j'ai oublié de faire quelque chose. Faut récolter de la pierre. Eh ouais. Donc, découpage de pierre. Donc, il y en a là. Hop. C'est indiqué et ils vont le faire. Donc, on construit des maisons qui sont en train de se faire, tranquillou. On va peut-être en faire d'autres. Donc, des chemins. Hop. Du chemin. Du chemin. Donc on va vite faire d'autres maisons parce que c'est important. Ensuite on va faire un port, très important aussi, je me répète, c'est pas grave, on voulait pas trop j'espère. Et il pleut, c'est quoi ça? Oui voilà, je préfère ça. Donc un port comme ça, parfait. Donc c'est ce qui va nous revenir, hein, c'est réserve limite. Merde, j'ai cliqué dessus, excusez-moi, voilà. Au moins vous pouvez voir où on en est, donc on commence à avoir du bois, tout ça, on commence à construire des choses. On va commencer à faire quelques petites choses, donc on va, pour ces premières minutes de jeu, je pense que ça va aller. Hop, hop, hop. Donc vidéo découverte hein, les amis, ça me fait extrêmement plaisir. Je commence ce thème de vidéo découverte en quelque sorte, on découvre le jeu ensemble malgré que j'ai quand même fait une petite partie pour pas être tout à fait nul hein. Normal, normal j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, donc vous voyez ça découpe du bois, les graphismes sont super bien faits. Le jeu fait que 134 mégas, il est très petit, il ne coûte pas beaucoup en configuration, alors n'hésitez pas à aller l'acheter vraiment. Ah regardez, ça y est, ça commence à planter. En tout cas, il est magnifique, je le trouve trop, trop beau. Sans déconner, je kiffe ce jeu. Je kiffe ce jeu, hein. Il est très bien. Mon avis personnel, je l'aime bien. Voilà, donc, on a quand même tout un espace pour se placer. Donc ici, il y aura une forêt, évidemment, pour la cueillette. La cueillette qui sera très importante pour se nourrir. On a un bateau qui va se faire, d'ailleurs on va faire une route pour y aller. Voilà. Tout beau, tout propre. Voilà. On va même faire peut-être un petit quartier. Ça semble intéressant. Voilà. Un petit quartier qui a été fait, donc on va pouvoir placer des maisons, etc. Hein. Donc ils sont en train de découper le bois, ils récupèrent tout ça. Pour l'instant ça plante, donc ça va bien. On va pouvoir récolter les premières pousses, tout ça. Et dans un deuxième temps, on va aller faire, on va placer une tente pour la cueillette. Une tente pour la cueillette, qu'est-ce que j'ai dit, n'importe quoi, veuillez m'en excuser. Alors, herbaliste, non, c'est dans nourriture, je me trompe toujours. Et on va placer ça là. Voilà. Donc on va faire une route pour y aller. Donc hop, hop, hop. Donc là c'est l'angle. On va descendre un peu, ça veut bien. Voilà. Voilà. Donc on va ajouter des constructeurs. Très important. Parce qu'il faut que ça construise hein, parce que regardez, on est au printemps. Donc ils ont planté, ça pousse relativement bien, en tout cas les textures sont plutôt bien faites je trouve hein, une note générale, malgré que je pense que dans le temps, enfin
J'en suis qu'au début des villes, hein. Je suis pas allé encore loin, j'ai même pas eu 100 citoyens, vous l'avez vu. Mais en tout cas, c'est un jeu qui me plaît, alors pourquoi pas faire une petite série dessus. Je sais pas ce que vous en dites. Si vous aimez bien que je joue à ce jeu, voilà. Donc je me propose pour faire une petite série dessus. Donc ça construit, ouais. Donc on va peut-être... Donc j'ai bien plutôt bien commencé, je trouve, hein. On commence fort. On a construit deux choses. Donc il faut quand même que ça construise. Il faudrait qu'il construise la troisième maison que j'ai dit de construire. Et en plus, je crois qu'il en faut 4. Si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Il leur faut 4 pour que ce soit bien. Et on va lever la priorité. On va mettre une priorité, comme je vous ai dit, sur la pêche. Voilà. Priorité mise, normalement ils vont y aller en priorité travailler sur le port, on va pouvoir prendre pêcher, donc voilà. Alors plusieurs choses sont comme je vous ai dit pour pour faire à manger, hein. On peut avoir des arbres fruitiers, donc il faut, c'est pour à long terme, hein. Donc au début, c'est pour ça que je fais du poisson, parce que ça va vite. Vite et bien, un champ normal, hein, obligé. Donc après, plus tard, évidemment, la chapelle, tout ça qui vient. Mais bon, ça, ce sera peut-être dans une vidéo à part. Enfin, plus tard, dans peut-être une éventuelle série, je sais pas. Proposez-moi si vous aimez que je joue à ce jeu dans les commentaires. Ça fait 21 minutes qu'on tourne. Donc voilà, donc ça construit. Donc comme ça, on va pouvoir avoir rapidement... Et je tourne à 60 IPS, quoi, c'est beau. Donc, normalement, ça construit bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Oui, quelques bugs à voir, hein, aussi. Tac, bientôt construit. Allez, hop, on construit, mes gaziers. Et puis voilà, alors, ça y est, become an agent in rocker. Ah, on a deux citoyens en plus, enfin deux adultes en plus, donc on va pouvoir les emmener. Ils pourront travailler pour nous. Donc, wood cutter, voilà. Et on va rajouter un builder. Parce qu'ils n'ont pas fini de construire là-haut. Ils sont censés être où? Ils sont censés être là. Donc ils n'ont pas fini de construire. Il est à qu'à 2%. Hop. En tout cas, c'est un jeu lent, hein, qu'il faut bien prendre en main, parce que c'est fatal, hein, au tout début quand on n'y connaît pas. Donc j'espère avoir fait plutôt une bonne vidéo. Malgré les petits E que je dis, tout ça. C'est le début des vidéos découvertes, tout ça. J'ai dit les informations les plus importantes, il me semble. Après, faut voir. Donc, vous voyez, la nourriture descend, la vie aussi. Donc, c'est pour ça que rapidement, on va devoir faire des cueillettes, tout ça. Mais ça, ce sera plus tard. La cueillette, faut le faire maintenant. C'est pour ça que j'ai lancé la construction de quelque chose. Et normalement, ça, c'est fait. Donc, on va pouvoir enlever un builder pour y mettre là. On va même mettre en même deux. Très important. Voilà. Donc en conclusion, ce jeu est très bien fait, voilà, on a partagé les premières minutes de jeu, c'est passé très très vite. Ah oui, regardez, un enfant est né, oh là là. Donc on en a encore 700 maisons, mais bientôt ce sera résolu. Donc voilà les amis, je vais mettre un terme à cette vidéo, hein, 24 minutes de vidéo, ça me semble plutôt correct. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos découvertes comme ceci. Et puis voilà, un deuxième enfant est né. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on a passé à peu près bientôt une année ensemble dans le jeu. Non, une demi-année. Donc ça, c'est bientôt prêt. Donc on va peut-être continuer sur cette partie la prochaine fois. Donc
Donc je vais m'arrêter ici les amis. Je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager. Oh, food is low. Ouais mais c'est bon, normalement ça va remonter. On va mettre les priorités, mais normalement ils ont plus que ça à construire. Donc, on va mettre les priorités quand même. Voilà. Et normalement ils vont construire ça. Donc les amis, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à partager, à me suivre sur Facebook, hein, Nikosov-officiel, à me suivre sur Twitter, @Nikosov, et blablabla, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, vos avis m'intéressent, si vous n'aimez pas, veuillez me dire pourquoi, ayez un commentaire constructif, ne dites pas que je fais de la merde comme ça tout seul, sans explication. Je prends tous les commentaires évidemment, hein, je les lis tous, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. Et puis voilà, c'était Nikosov, bye bye, prenez soin de vous et jouez bien à Banished, le nouveau jeu à mon avis qui va faire encore parler de lui. Allez, à plus tout le monde.